Je m'appelle donc Aurélien. Je travaille à Atoll Conseil Développement depuis un peu plus de 10 ans, donc aussi vieux que le PGD. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence ou pas. Moi, au quotidien, je travaille sur un gros projet métier dans le secteur agricole. Donc un projet qui a 14 années d'historique, donc sur des objets géographiques. Donc on a des millions d'objets géographiques en base. Donc au fil des années, il a fallu parfois faire quelques petits ajustements sur des requêtes, des choses comme ça, avec la volumétrie qui augmente au fil des années. Donc c'est un sujet qui m'intéresse fortement, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Donc essayer d'optimiser tous nos traitements, et etc. sur la plateforme. Et donc depuis la mise en place de la parisation dans PostgreSQL, donc depuis la version 9.6, donc on va voir en détail comment ça s'est fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, donc avec l'arrivée récente de la parisation et le travail d'optimisation qui me préoccupe au quotidien. Donc pour voir ça, on va faire en différents points. Donc en premier, ça va être un petit sous-son de marketing pour vous présenter succinctement Atoll Conseil Développement, donc qui est mon entreprise. On verra ensuite du coup qu'est-ce qu'une requête paralysée, ce qui peut être paralysé, ce qui ne l'est pas, des choses comme ça, et pourquoi des fois elle n'y est pas. On verra aussi tout ce qui est configuration, donc les paramètres à modifier dans les fichiers de configuration PostgreSQL, donc notamment PostgreSQL.conf, qui peut des fois devoir être adapté pour justement utiliser cette paralysation. On verra à travers d'exemples assez simples sur quelques tests et benchmark, donc avec des requêtes qui sont lancées en parallèle et d'autres non. Donc on verra les gains de performance attendus et des fois pourquoi on n'en a pas. Et enfin, donc, à travers ces différents exemples, on va voir aussi après les limitations actuelles de l'implémentation des requêtes parallèles dans PostgreSQL et aussi quelques restrictions. Donc, voilà. Et on terminera sur un oui mais demain, donc sans forcément cannibaliser toute la dernière présentation d'aujourd'hui sur PostgreSQL 11, mais je vous parlerai juste des différents points sur la paralysation dans PostgreSQL 11. Alors pour faire simple, donc Atoll et Conseil Développement, c'est une entreprise de services numériques, donc surtout sur des technologies open source, donc avec des fortes expertises techniques et un partenariat sur le long terme avec nos clients. Donc sur mon projet, ça fait plus de 14 ans qu'on a le projet, donc on est beaucoup impliqué à ses côtés pour essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Et donc on essaye de favoriser la relation client avec notre client avant forcément d'autres critères, donc en priorité la fidélisation de nos clients et de nos collaborateurs qui ont un très faible turnover. Donc notre vocation, c'est tout ce qui est métier du digital, donc centré sur l'expérience utilisateur. Donc le but, c'est de créer un logiciel qui soit utile, utilisé, et sinon ça sert à rien de développer des beaux logiciels s'ils ne sont pas utilisés en production. Et donc notre exigence, c'est surtout une qualité technique, mais aussi qui réponde aux besoins de notre client. Donc après, on a différents pôles donc, qui généralement sont complémentaires. Donc on s'inscrit aussi dans une logique DevOps. Donc le projet sur lequel je travaille, on l'héberge aussi depuis quelques années. Donc on a on est une entreprise d'à peu près une centaine de personnes. Donc sur tout ce qui est application métier, donc, qui va être vraiment du clé en main à partir de rien, sur du web, sur du mobile, sur différentes technologies. Donc on a à peu près une quarantaine de personnes sur ces problématiques-là. Tout ce qui est dématérialisé, donc on est un des premiers intégrateurs Alfresco en France, avec à peu près plus d'une trentaine de collaborateurs sur ce sujet, donc de la GED, de la numérisation, des choses comme ça. Tout ce qui est BI aussi, donc on organise les PNTOD, donc un petit peu à l'image des PGD depuis quelques années. Tout ce qui est aussi cartographie SIG, donc ce qui me concerne, qui s'intègre aussi dans les applications métiers, donc avec du PGIS, la cartouche spatiale. Après, tout ce qui est aussi com, digital, donc avec aussi des composantes open source, telles que Drupal, Typo 3, des choses comme ça. Et des choses aussi un petit peu plus, qui vont des fois un petit peu plus loin, qui aussi s'interfacent avec d'autres, tout ce qui est solutions industrielles, de traçabilité, de bâtiments intelligents connectés, des choses comme ça. Donc voilà juste notre petite recette, une centaine de collaborateurs, impliqués au cœur du métier de nos clients, avec un peu de recherche et développement et basé sur l'UX design et la qualité pour satisfaire nos clients et surtout des solutions open source de référence, dont PostgreSQL.
Alors donc là, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'une requête paralysée ? Alors déjà, on va prendre un petit historique. Donc, on se demande pourquoi c'est pas arrivé forcément plus tôt, la paralysation d'un Postgres. Donc, ça fait quelques années que c'était assez attendu. On a des machines de plus en plus performantes, avec de plus en plus de CPU, de plus en plus de cores. Et forcément, quand on a une requête qui est traitée seulement sur un processeur, ça peut être un peu pénalisant. Donc pourquoi ça a mis autant de temps ? C'est à savoir qu'à la base, Postgres est multiprocessus. Donc juste pour faire un petit rappel, donc après, il y a multiprocessus, multithread, donc Postgres est multiprocessus. À la différence, les multithreads, ils partagent le même espace mémoire partagé, les mêmes ressources, les choses comme ça, contrairement au processus. Donc ce qui a nécessité un assez long travail pour justement mettre en place ce système de mémoire partagée. Donc entre les différents processus. Et donc c'est ce qui a été un peu donc ce qui a été mis au sein de Postgres, c'est qu'au final il y aura un processus qui va faire appel à d'autres processus qu'on appellera workers pour accélérer le résultat d'une requête. Donc actuellement, enfin avant les versions 9.6, donc on avait une session, une requête, et donc qui était exécutée que sur un seul core. Et donc depuis la version 9.6, Postgres est capable de paralyser ses plans d'exécution. Donc pour une seule même requête, il va pouvoir faire appel à différents workers pour accélérer le traitement de cette requête. Donc toutes ne permettent pas de bénéficier de la paralysation, donc soit dû à des contraintes actuelles de l'implémentation, donc on va les voir par la suite, soit parce que tout simplement il n'y a pas de plan d'exécution qui soit plus rapide qu'un plan sériel. Donc dans ces cas-là, il va essayer pour lui de prendre quand même le plan le plus rapide et pas forcément de le paralyser. Alors, donc cette fonction, tout ce qui est requête parallèle a été introduite en Postgres 9.6 donc, et étendue ensuite dans Postgres 10. Donc si on fait un petit explain d'une requête donc, qui lui pense paralysée, on voit qu'il ajoute forcément un petit gazer ou gazer merge qui en fait sera la partie du plan qui sera paralysée. Donc tout ce qui est en dessous donc, sera partiellement, enfin sera paralysé. Et donc dans l'explain, on voit le nombre de workers, donc de processus qui va rattacher pour essayer d'effectuer cette paralysation. Donc là on voit qu'il va essayer donc, de prendre 6 workers pour gérer cette magnifique requête. Donc après à savoir c'est que bon, généralement, en fait, il y a un leader qui va exécuter une partie de la requête, donc tout ce qui est au-dessus du gazer. Donc là, on a un final group aggregate, donc qui va être effectué par le node leader. Okay. Et du coup, dans certains cas, donc le leader va travailler comme un worker suivant ce qu'il a à faire ou non. Donc s'il est occupé à faire tout ce qu'il y a aussi au-dessus du nœud, et notamment aussi dans les getters merge, qui va en fait être de garder l'ordre des lignes résultantes des workers. Donc parfois il est assez occupé à traiter ces ensembles de lignes retournant des workers, donc il ne sera pas forcément très utile dans la paralysation, mais il va gérer d'autres trucs, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour tout ce qui est... Et donc là on va voir surtout tout ce qui peut être... donc paralysé grâce à ces workers. Donc ça a évolué donc, entre les différentes versions, donc en 9.6 et en 10. Donc tout ce qui est parcours paralysé pour la lecture d'une table, donc qui a été introduite en Postgres 9.6 donc pour les sequential scans, qui permet du coup de parcourir une table et du coup de le faire de façon parallèle, ce qui gagne pas mal de temps suivant le nombre de workers qu'on a à disposition. Dans la version 10, il y a aussi tout ce qui était scan d'index B-tree, donc avec les B-tree index scan et les bitmap heat scan, donc qui peuvent être générés en parallèle du coup dans la version 10. A été mis aussi en place du coup les différentes jointures paralysées, donc disponibles aussi en 9.6 tout ce qui est donc hash join et nested loop, donc qui permet de faire des jointures entre deux tables de façon paralysée, donc soit par hash ou sinon par boucle entre les deux tables. Et aussi du coup le merge join qui a été introduit en version 10 qui permet du coup d'avoir
un tri entre les deux tables et de joindre dessus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est parcours et jointure, mais aussi d'autres choses. Donc on a tout ce qui est agrégation, donc count, sump, moyenne, des choses comme ça qui peuvent bénéficier de la parisation. Donc au-dessus, on verra. Donc dans le premier exemple, ben, en fait, là, c'était un agrégat. Donc on a toujours un final group aggregation qui va du coup être exécuté par le leader. Et ensuite, on peut voir tout ce qui est partiel group aggregat, donc qui sera effectué pour chaque workers. Donc ensuite, il y a le nœud gazer merge dont je vais parler, qui a été introduit en version 10. Ainsi que tout ce qui est requête préparée. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc avec des petites requêtes préparées, donc, qui elles peuvent bénéficier aussi de la parisation, pas seulement les requêtes lancées dans un terminal. Et aussi tout ce qui est requête donc overlay. Donc, qui veut dire qu'il n'y a pas de lien entre la requête principale et la sous-requête. Donc, pour pouvoir bénéficier de tout ça, va falloir des fois aller modifier un petit peu le postgresql.conf suivant de version, mais surtout surveiller les enfants. Laissez pas forcément faire ça à n'importe qui. Ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Alors, du coup, pour que ce soit lancé forcément par elle, y a différents paramètres à modifier. Donc déjà, en précepte de tout ça, faut pas qu'on travaille en mono utilisateur, parce que si on a Postgre lancé dans un seul processus, on pourra pas bénéficier de workers. Bon, ça paraît logique, mais autant le dire quand même. Et donc ensuite, il y a différents paramètres donc qui rentrent en jeu. Donc le max workers process, qui va être le nombre maximum de workers que pourra appeler le système. Donc une petite chose à savoir, c'est que si vous travaillez sur des serveurs maître esclave et que vous voulez exécuter des requêtes sur vos esclaves, pensez d'avoir un nombre de max workers process au moins égal au master, sinon du coup, il y a des requêtes qui ne pourront pas passer sur les esclaves. Ensuite, du coup, on peut voir le max parallel workers bear gather, ça veut dire le nombre maximum de workers qui pourraient être utilisés pour une requête. Donc, sachant que si vous avez beaucoup de requêtes en parallèle, il faut que vous ayez un nombre de workers assez disponible pour pouvoir en avoir suffisamment pour le planificateur. Et le dernier paramètre pour ce nombre de workers, ça va être le max parallel workers, qui va être le nombre de workers, mais seulement pour l'exécution de requêtes parallèles. Donc, il y a différentes tâches qui sont effectuées dans Postgre qui peuvent en consommer. Donc là, les deux principaux, ça va être ça. Donc, j'ai mis les valeurs par défaut, mais attention au max workers per gazer, qui en fait est défini à 0 dans Postgre 9.6, donc ce qui désactive la parisation par défaut. Donc, pensez, si vous voulez l'utiliser, de mettre une valeur qui correspond à votre serveur en nombre de CPU ou des choses comme ça qui est à votre disposition. Et aussi, ça ne sert à rien forcément d'augmenter le dernier paramètre plus haut que le premier, parce que vu qu'il pioche dans la réserve du premier, si on en définit 16 et qu'on en a 8, ça va pas servir à grand-chose. Alors ensuite, ça va être des paramètres qui vont servir plus pour l'optimisateur. Donc, qui va lui permettre de terminer si ou non il va procéder à une parallélisation. Donc, le premier, c'est le parallel setup scope, qui va savoir le coût que va lui prendre de lancer un processus parallèle. Et le deuxième, ça va être le parallèle tuple cost, qui va permettre de savoir combien ça va lui coûter de transférer une ligne d'un worker à un autre. Aussi, après, donc, ça va être suivant la taille des tables, des index, savoir si pour lui c'est nécessaire de faire ceci en parallèle. Donc il y a les valeurs par défaut, pour une table c'est 8 mégas, et pour un index ça va être 512 KO. Donc après, c'est des choses qui peuvent des fois être utiles de modifier, mais par défaut c'est pas forcément à modifier, sauf si vous envoyez le besoin dans vos tests ou des choses comme ça. Alors, en fait, les derniers petits paramètres, ça va être des choses qui peuvent servir aussi, ça va être le force parallel mode, ce qui va forcer à créer un nœud gazer sur toutes les requêtes qui peuvent être paralysées, même si l'optimisateur pense que c'est pas nécessaire. Donc ça peut surtout, enfin le force parallel mode, c'est surtout utilisé pour des tests, pas mettre ça en prod. Donc il peut avoir des valeurs on-off ou regress qui peuvent permettre de détecter qu'il n'y ait pas de problème sur des restrictions. Donc on le verra un peu plus tard sur tout ce qui est parallèle unsafe, safe ou des choses comme ça, qui peuvent permettre de voir les problèmes.
Enfin, du coup, ce qui peut permettre aussi d'optimiser, ça va être les factives IO concurrency. Donc, je m'excuse pour mon accent anglais un petit peu pourri au passage. Donc sur cette NPerform, donc ça permet de faire des IO concurrentes. Et donc bon, après ça, généralement par défaut c'est valeur 1, donc pour un seul disque méca. La règle, on peut aller à dire suivant le nombre de disques que vous avez sur un RAID qui sont en miroir ou des choses comme ça, vous pouvez monter. Donc si vous avez du RAID mirroring, vous pouvez monter au nombre de disques à peu près. Il y a une valeur de 100 pour un disque SSD, grosso modo. Et le dernier paramètre, enfin, du coup, c'est le Dynamic Shared Memory Type, qui doit en fait surtout ne pas être à none, parce que sinon on ne pourra pas bénéficier de la parisation, parce que c'est ce qui permet justement de partager la mémoire entre les différents workers. Donc si c'est désactivé, ben, ça ne fonctionnera pas. Alors juste quelques petits conseils qui peuvent être simples et basiques, mais qui peuvent des fois très servir lors de tests. Ben, normalement, de façon de faire les explains, c'est le béaba. Mais surtout de bien penser à des fois afficher ces petits paramètres si on s'est amusé à les toucher avant nos tests, parce qu'on peut vite se retrouver avec des tests qui ne servent à rien parce qu'on avait désactivé le nombre de parallèle workers et on se dit bah, c'est bizarre, ça paralyse pas. Et surtout après, un petit détail, c'est de surveiller l'utilisation de sa mémoire. Si on active avec beaucoup de workers en prod, bah, de penser de surveiller sa consommation mémoire, parce qu'en fait un worker ça va consommer à peu près autant qu'une session utilisateur. Donc si vous travaillez sur 8 workers sur toutes vos requêtes, ça peut commencer à faire pas mal de montées en mémoire et de devoir gérer ça avec les workmems aussi, peut-être adaptés ou des choses comme ça. Alors là, on va passer tout ce qui est un petit peu phase de test que j'ai pu effectuer. Je vais présenter rapidement mon petit jeu de données. Donc bon, je ne suis pas à 400 gigas, j'ai juste essayé de faire des petits tests rapides sur des données géographiques, donc, que je connais un petit peu vu que c'est dans le secteur agricole, sur tout ce qui est parcelles graphiques, îlots anonymes et les limites des AOC. Donc avec une première de 9,3 millions de polygones, 6 millions et 10 000 pour les autres, qui représentent en base à peu près ces volumétries de taille de base, donc sans les index. Alors premier exemple simple, c'est assez simple. On fait une somme de la surface de tous nos géomes sur notre petite table qu'a 6 millions d'enregistrement. Donc, premier test, ben, du coup, j'ai forcé à zéro pour qu'il n'y ait pas de paralysation. Donc là, on voit qu'il fait son petite agrégation, son parcours séquentiel. Avec un serveur, je vous l'accorde, pas très très robuste, qui fait ça en 5400 millisecondes. Donc, j'ai fait avec le serveur que j'avais à disposition. Et là, donc, si on passe du coup, tout de suite à un nombre de workers à 6, donc là on voit qu'il m'a généré un bon plan d'exécution avec 6 workers. Donc avec mon final aggregate, mon partiel aggregate et aussi mes partiels sexcan, donc qu'on voit le détail par workers, donc on voit le nombre de lignes qu'ils ont traitées, etc. Et là on peut voir qu'on bah, on a divisé le temps presque par 5 pour ce genre de requête. À savoir qu'en fait, les requêtes qui vont le plus bénéficier de la parisation, ça va être les requêtes qui travaillent sur un grand nombre de données, mais en retournent très peu à l'utilisateur. Donc forcément, négration, c'est l'exemple parfait. Et donc là, on peut voir que ben, sur différents workers, ben, on a, ne serait-ce que sur 2 workers, on passe sur un temps divisé par à peu près 2,5, à peu près 4 sur 4 workers, c'est presque 5 sur 6 workers. Après, du coup, si on augmente cette volumétrie, donc là, en travaillant avec un peu plus d'objets, on se dit, bah, est-ce que ça va augmenter les perfs? Donc déjà, quand on n'a pas de paralysation, bah, on voit que bah, déjà, ça a mis beaucoup plus de temps. Et si, du coup, on refait notre même test en remontant le nombre de workers disponibles, et bien là, on a aussi pas mal divisé. Donc encore un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc, ce que je disais, donc plus on a de volumétrie et qu'on retourne peu de lignes, ça va bénéficier beaucoup à la paralysation. Donc là, du même ordre, on divise presque jusqu'à 5,3 quand on passe sur 6 workers sur le temps d'exécution. Alors après, si on a peu de données, donc là on a vu le cas, on augmentait nos données, on voit que bah, on gagne encore plus, parce qu'on retourne très peu de lignes et on a encore plus de données. Et là, si du coup on le fait, mais avec peu de données, donc on avait à peu près 10 000 lignes,
Donc là, on voit avec zéro workers, de fait 1636 millisecondes, ce qui est bon, franchement pas terrible, on va le dire. Et là, on se dit, bah, je vais le monter à 6. Oh, c'est bizarre, ça n'a rien changé. Donc là, c'est ce qu'on arrive bah, en fait, aux limites des tailles de table et d'index qui font que pour lui, ce n'est pas nécessaire de paralyser cette requête. Et donc, elle n'est pas paralysée parce que du coup, il y a un coût de lancer cette paralysation. Et donc, celle-ci, elle n'est pas planifiée. Donc après, on peut jouer là-dessus sur les paramètres que je vous ai expliqués. Monter le parallel setup scope, le min parallel tab scan, size, etc. Qui d'ailleurs, en Postgre 9.6, doit s'appeler relation scan size, s'il y en a qui sont 9.6. Et donc, ben, ça peut être bien pour faire des tests, mais ce n'est pas forcément une très très bonne idée de jouer trop avec ces paramètres en production, parce que ça va influencer l'optimiseur sur vos autres requêtes. Donc peut-être qu'une requête sera plus performante, mais au détriment d'autres. Et là, en fait, un dernier petit exemple, avant de passer à la suite. Donc ça va être sur un exemple bon, un petit peu plus complexe, avec des intersections. Donc là, toujours sur une somme avec des petits gros de bytes, intersections. Bon, la requête en elle-même n'a pas forcément d'intérêt en soi. Donc là, on le voit qui m'a fait un beau plan paralysé, qu'il estime utiliser 6 workers. Bon, vous verrez que ben, en fait, en bas, là, j'ai pas mis le petit temps estimé. Parce que du coup, c'est pas que le serveur essaye pas. Donc j'ai laissé tourner un petit moment parce que bon, j'avais pas un super serveur très performant. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bien la parisation, mais faut pas non plus oublier les bases. Donc certes, dans certains cas, ça profite beaucoup à augmenter les performances, mais il faut pas oublier les bases et que la création d'un index JIS sur ma colonne géométrique m'a fait retourner ma requête très rapidement, contrairement à juste essayer de l'utiliser en parisation. Donc bien sûr, après, avec les index ou des choses comme ça, il peut aussi utiliser la parisation. Mais surtout, bien penser en fait, à ne pas oublier les principales. Donc ça me rappelle une petite conférence que j'ai pu voir en vidéo l'année dernière au PGD sur les pires pratiques SQL que j'avais fortement apprécié à regarder. Et donc c'est surtout, bah, faut pas oublier ces bonnes pratiques de bien structurer sa base avec des vrais types, ne pas essayer de mettre des dates dans des varchars, des choses comme ça. Utiliser des index bien sûr, mais aussi à bon escient, ne pas essayer de mettre des index sur toutes les colonnes, se dire ah ben l'index c'est magique, ça va tout faire. Mais non, faut bien essayer d'exploiter à sa juste mesure chaque fonctionnalité et aussi bien d'exploiter la richesse du SQL qui est très sympathique dans Postgre avec les CTE, les Windows Functions, les latérales, des choses comme ça. Donc là, on va passer un peu sur tout ce qui est limitation, donc à cette paralysation. Donc, essayer de comprendre pourquoi des fois des requêtes ne sont pas paralysées. Donc déjà, limitation, ça va être tout ce qui est écriture en base, donc tout ce qui est requête d'insert, d'update, delete, etc. Et les CTE en écriture, avec la limitation actuelle, ça ne va pas être paralysé. Donc ça, dès que vous avez une écriture, espérez pas avoir d'apparition dans Postgre 10. De même, s'il y a déjà une paralysation, si la requête est exécutée à l'intérieur d'une autre requête paralysée, ben, elle ne sera pas paralysée. Donc ça, c'est aussi des limitations actuelles. Pas de paralysation aussi sur des tâches de maintenance. Et ça, bon, ça va évoluer, on va le voir, notamment les create index, mais aussi tout ce qui est vacuum analysis qui n'est pas lancé en paralysation. Donc on a vu aussi que ça permettait de paralyser tout ce qui est agrégation, mais pas dans tous les cas. Donc si on utilise un agrégat avec un distinct ou une clause order by, ben en fait il n'effectuera pas de paralysation sur ces requêtes. Donc il ne faut pas s'étonner si toutes nos requêtes d'agrégat n'ont pas de workers planifiés. Parfois ça a ses raisons qui sont expliquées là. Et aussi tout ce qui est agrégation multiple via les nouveaux grouping sets donc qui ne sont pas gérés en paralysation, ainsi que l'utilisation de déclare curseur ou des boucles en PLSQL, donc avec des for, loop, etc. Donc la paralysation sera désactivée sur ce genre de choses. Après, parfois, bah, en fait, il n'y a aucune contrainte de limitation de l'implémentation, mais ça va être aussi des contraintes système. Donc bah, si on n'a aucun background workers disponible suite à nos limitations, donc soit au max workers process ou au parallel workers, ben forcément, même si lui pense qu'un plan peut être paralysé,
Il peut se retrouver à être exécuté que sur un seul nœud parce qu'il n'y en a pas de disponible, donc ce qui pourra parfois ralentir un petit peu la chose si on n'a pas assez, soit toujours aucun workers de disponible. Après, il y a aussi si la requête contient des choses non surapparalysées. Donc ça, on va le voir sur la dépotion. Il y a des petites choses à savoir aussi là-dessus qui empêchera la parisation. Et après, on a tout ce qui est aussi parisation restreinte. Donc ça veut dire que ces morceaux dans une requête ne seront exécutés que sur le leader, ne seront pas utilisés sur des workers. Donc tout ce qui est parcours de CTE, les tables temporaires, les tables externes, et aussi s'il y a des plans corrélés. Donc par rapport à la sécurité sur la parisation, Postgre ne peut pas forcément déterminer tout ce qui est fait au sein d'une fonction ou d'une agrégation. Donc par défaut, les agrégations système sont à peu près toutes en parallèle safe, mais par défaut, tout ce qui est utilisateur est défini en parallèle unsafe. Donc ça veut dire que dès qu'on appellera une fonction de type parallèle unsafe, en fait, la parisation sera désactivée. Donc il faut savoir que quand vous créez des fonctions ou des choses comme ça, il faut la définir suivant ce qu'elle fait. Donc si déjà elle écrit en base, qu'elle gère des exceptions, des choses comme ça, ça va être des cas où en fait il faudra forcément la mettre en unsafe, ou si elle accède à une séquence, dès qu'elle manipule les données en base, et qu'elle écrit ou des choses comme ça, il faudra forcément la définir en unsafe. Et ensuite, donc, on a tout ce qui est restrict. Donc ça va être un peu ce qu'on avait vu juste avant, c'est que si on parcourt des tables temporaires ou des choses comme ça, il faut définir cette fonction en restrict pour pas avoir de soucis. Et donc tout ce qui est parallèle safe, ça veut dire qu'il pourra s'exécuter correctement parallèle. Donc après, en cas de doute, si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux éviter de mettre quelque chose en safe si vous avez des doutes, ou aller consulter vraiment la doc pour tout ce qui ne doit pas être en safe, donc généralement tout ce qui est écriture, parcours de séquence et qu'est-ce que je dis, j'ai oublié le troisième. Donc ça me reviendra peut-être. Donc voilà, surtout bien faire attention à ça. Et juste par rapport à ces limitations, donc dans PostgreSQL ça va un petit peu évoluer. Notamment sur des créations d'index en B-tree en parallèle, qui sera possible. On pourra aussi tout ce qui est parallélisation d'union, donc qui pourrait être fait en parallèle. Et le parallèle H-join qui va forcément changer, donc qui va augmenter assez les performances sur ce type de jointure, parce qu'actuellement, chaque worker se calcule sa hache de sa table et la stock en mémoire, donc ça fait des entrées IO, des choses comme ça pour chaque workers. Et donc dans PostgreSQL 11, ça va permettre d'avoir cette table de hache partagée, donc qui va encore augmenter les performances par rapport à ça. Enfin, le dernier point, du coup, ça va être sur la parallélisation de tout ce qui est vue matérialisée et de création de table à partir de l'exécution d'une requête. Je crois que j'ai rien oublié, mais j'ai l'impression qu'il manquait. Non, ça doit être tout bon. Donc, si vous avez des questions, des choses comme ça. J'ai déjà deux doigts levés. Merci. Je reviens sur l'aspect benchmark, la comparaison des fonctionnements avec ou sans parallélisation. Tu as gommé un peu l'aspect cache. Pour éliminer les... Ouais. Les... Ouais, je l'ai volontairement fait. Du coup, j'ai fait en sorte que ce soit monté en mémoire pour l'ensemble des exécutions avant. Donc, ouais. Ils se déroulent tous dans le même cadre. Enfin, j'avais déjà. D'accord. J'avais déjà en mémoire. Tu fais chauffer les caches avant. Dans c'est cas. Ça. C'est ça. Je voulais pas forcément fausser le premier test.
Est-ce que le parallélisme, il peut être activé juste pour un utilisateur ou une session, une requête en particulier? Est-ce que ce sont des paramètres qui peuvent se changer au niveau de la session, par exemple? Alors en fait, le premier qui définit le nombre de workers pour le serveur, ça va nécessiter un redémarrage. Donc ça va pas pouvoir être défini au niveau d'une session. Par contre, le nombre de workers sur un nœud, ça on va pouvoir le changer à chaud avec un set et du coup l'afficher, ça on peut le modifier sans redémarrage pour la session, quoi. J'avais une question autour de... Est-ce qu'il y a des ABAC ou des bonnes pratiques de paramétrage de parallélisme? Parce que là, tu as parlé beaucoup d'une parallélisme d'une requête. Mais si tu parallélises de façon massive un serveur, tu peux avoir un effet voilà, de consommation aussi, de mémoire, de surconsommation, ouais. Mémoire, CPU. C'est ça. Est-ce qu'il y a des paramétrages en fonction de la configuration système à prévoir? Et la deuxième question, c'est comment mesurer cet overhead en fait, finalement, a posteriori? C'est un serveur qui part en sucette et tout ça. Est-ce que tu as des compteurs? Moi, je connais pas assez Postgre, hein, désolé. Qui permettent de détecter ce genre de comportement d'un serveur quand tu as modifié un paramètre système globalement? Mais après, du coup, ça va dépendre du nombre de sessions actives. Donc forcément, si on a beaucoup de requêtes qui peuvent être paralysées sur 30 utilisateurs, si on n'a que 8 processeurs et qu'on effectue 8 par requête, ça va forcément saturer le serveur au bout d'un moment. Donc après, il faut jouer avec ces paramètres en fonction surtout de la configuration du serveur et ne pas tous les dédier pour une requête. Donc là, par défaut, c'est défini sur 8 avec 2 pour une requête dans Postgres, ce qui permet déjà de diviser les temps sur certaines exécutions par 2 et 5. Après, je pense qu'il faut quand même garder ce ratio en fonction du nombre d'utilisateurs, de ne pas tout mettre disponible pour un seul nœud.